Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent et l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Nous allons prier Père Céleste, du fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, n'est-ce pas, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Grâce à ses sacrifices, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écrit. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, continuez à m'aider à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant, je vous conseille maintenant à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Nous sommes en train d'étudier une nouvelle réflexion chaque semaine. Nous sommes en train d'étudier maintenant la personne de Christ. Ok? La personne de Christ. Donc, sa deuxième venue. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, sa personne. Ok? La personne de Christ et sa deuxième venue. Nous sommes maintenant à la 9e et la dernière leçon. Donc, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, sa place dans la Trinité, sa préexistence, sa divinité, sa venue annoncée, son incarnation, son titre fils de Dieu, sa mort, sa résurrection, son ascension, son rôle de médiation, sa deuxième venue. Rappel, la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes distinctes, chaque personne étant pleinement Dieu. Rappel, sa préexistence. Jésus-Christ existait avant de naître sur terre, même avant la création du monde. Il est le Fils éternel engendré de Dieu. Sans commencement de vie, venu sur terre, descendu du ciel. Rappel, sa divinité. Jésus-Christ est Dieu. Rappel, sa divinité. Jésus-Christ est Dieu. Égal au Père. Ses noms divins. Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, je suis. Ses attributs divins, immuables, omniscients, omnipotents, omniprésents. Ses œuvres divines, miracles, pardon, création, les honneurs divins qui lui sont rendus. Adoré. Rappel, sa venue annoncée. Plusieurs personnages ont été annoncés dans l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, la descendante de la femme, pour l'évangile de Genèse 3, verset 15, le Shiloh, souverain de la tribu de Juda, le prophète comme Moïse, le roi descendant de David, les serviteurs élus de l'Éternel. Le Messie. Le Nouveau Testament confirme que tous ces personnages sont une seule et même personne. Jésus. Alléluia. Jésus. Son incarnation. Dieu, le Fils, est devenu un être humain. Sens, croissance, fatigue, faim, émotion, tentation, mais sans péché. Jésus est une seule personne avec deux natures. Divine et humaine. Rappel, son titre fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu en tant qu'être humain, fils d'Adam à l'image de Dieu, conçu par Dieu dans le ventre de Marie, en tant qu'Israël par excellence, en tant que fils de David, héritier du royaume, héritier du trône, en tant que fils divin, créateur. Rappel, ses œuvres de salut. Jésus est mort en sacrifice. En substitution des pécheurs, pour le pardon et l'expiation, pour la propitiation et la réconciliation, pour la rédemption, Jésus est ressuscité, puis est monté et a été exalté au ciel. Victoire sur la mort, règne à la droite de Dieu, premier mort, règne à la droite de Dieu, premier d'un grand nombre de ressuscités. Rappel, son rôle de médiation. Jésus est médiateur. En tant que prophète, représente Dieu devant les hommes. En tant que prêtre, représente les hommes devant Dieu. En tant que roi, règne sur les hommes au nom et en tant que Dieu. Toutes ces fonctions sont liées à la nouvelle naissance, à la nouvelle alliance, excuse-moi, qu'il a établie, scellée et qu'il met en œuvre. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux 12, verset 24. Sa deuxième venue, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hébreux 9, verset 28. De même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés, pour porter les péchés de grand nombre, apparaîtra une seconde fois. Sans qu'il soit question du péché.
pour ceux-là en vue de leur salut. Jésus, de même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Il est venu, n'est-ce pas, pour mourir à notre place. Maintenant, il est au ciel. Il est en train d'intercéder pour nous. De même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés des grands hommes apparaîtra une seconde fois. Il va retourner pour prendre l'église et il va monter avec l'église. Et après, il va retourner avec l'église pour établir son royaume sur la terre. Sans qu'il soit question du péché, mais pour ceux qui l'attendent en vie de leur salut. Sa deuxième venue. Le Nouveau Testament mentionne le retour de Christ plus de 300 fois. Des chapitres entiers y sont consacrés. Matthieu 24, Matthieu 25, Marc 13, Luc 21 et Corinthiens 15. Certains livres traitent presque exclusivement de Thessaloniciens, Apocalypse. Il va retourner. Expression dans le Nouveau Testament concernant son retour. Caractéristique de sa deuxième venue. Importance de la seconde venue de Christ. Expression dans le Nouveau Testament. La venue ou retour. Lisons Jean 14, versets 2 et 3. Jean 14, versets 2 et 3. Jean 14, verset 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Plus littéralement, on traduirait « je viendrai de nouveau ». Lisons 1 Corinthiens 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Très bien, on va retourner. Même si le mot retour n'est pas explicitement utilisé, Hébreux 9, verset 28 nous dit qu'il s'agit bien d'une deuxième venue. D'un retour. Hébreux 9, verset 28. Claire, de même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Il va retourner. Certainement, il va redonner. Apparaîtra. Il viendra une seconde fois. Ok? Un mot souvent utilisé pour parler de retour de Christ est le mot parousie. Le mot parousie ne fait pas référence au mot paraître, mais il signifie présence. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 16. 17. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatis et de Chaïcus. Ils ont suppléé à notre absence. 1 Corinthiens 16, verset 17. La présence de Stéphanas. C'est ça. Ce thème, parousie, prend aussi le sens d'arrivée. 2 Corinthiens 7, verset 6. 2 Corinthiens 7, verset 6. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus,
nous a consolé par l'arrivée des titres. Ce mot désignait l'arrivée du roi ou de l'empereur. Il a été traduit en latin par le mot adventus, d'où on tire le mot français avènement, dans le sens devenu. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement, hein, c'est le retour. Ok? C'est le retour, ok? Le retour de Christ. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jacques 5, verset 8. Jacques 5, verset 8. Vous aussi, vous soyez patients. Affermissez-vous, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche, c'est le retour. Ok? Le retour de Jésus-Christ est proche. Ok. La parousie est donc le moment où le Seigneur sera de nouveau présent parmi nous. Ça, c'est la parousie. Deutéronome 2, verset 1. Nous vous le demandons. Frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, Jésus-Christ, et notre rassemblement auprès de lui. En ce qui concerne l'avènement du Seigneur, l'avènement, c'est la parousie, le retour de Jésus-Christ. Il va retourner, n'est-ce pas, pour prendre l'Église. Le mot apparition. Le mot grec est épiphanéa. D'où on tire le mot français épiphanie. Paul utilise très souvent ce mot. Lisons 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1. Nous lisons ainsi. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Au nom de son apparition et son royaume. Apparition ici est épiphanéa. Paul utilise très souvent ce mot de Tite 2, verset 13. Tite 2, verset 13. Nous lisons ainsi. En attendant, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance, il va retourner. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours expression du Nouveau Testament. Ok. Le mot épiphanie a aussi la connotation de gloire. Deutéronome 2, verset 8. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche. L'impie ici, c'est l'Antichrist. Ok? L'Antichrist. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclair de son avènement. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclair. Par l'éclair est épiphanéa de son avènement. De son avènement est parousia. On pourrait dire par l'épiphanie de la parousie. Le mot dévoilement, apocalypsis, est aussi utilisé quelquefois. Paul et Pierre appellent le retour de Christ son apocalypse. Et Corinthiens 1, verset 7, 2 Thessaloniciens 1, verset 7, 1 Pierre 1, verset 7. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 1, verset 7. Nous lisons ensemble 1 Corinthiens 1, verset 7. 1 Corinthiens 1.
verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, verset 7. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous, les croyants de la Macédoine et de la Chaïe. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi fût plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Soulignez pour nous, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Se révélera de la révélation, lors de la révélation. L'expression « jour du Seigneur » est la plus fréquente avec « parousia ». On trouve dans le Nouveau Testament les expressions « jour du Seigneur », « jour de Jésus-Christ », « jour de Christ », « jour de Dieu » ou simplement « le jour ». 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Nous lisons ainsi. Le jour du Seigneur, viendra comme un voleur. Ouais. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Lorsque Jésus va retourner avec l'Église pour établir son royaume. Ça, c'est la seconde venue de Jésus. La seconde venue de Jésus a des phases. Jésus va retourner, n'est-ce pas, pour prendre l'Église. Et après une période de 7 ans, il va retourner avec l'Église pour établir son royaume sur la terre. Ce texte ici concerne la deuxième venue de Jésus avec l'Église. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre La rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ouais, pour le jour de Jésus-Christ, maintenant, ça c'est le retour de Christ. Ok? Ça c'est le retour de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va retourner, n'est-ce pas, pour prendre l'Église. Béni soit l'Éternel. L'expression jour du Seigneur vient de l'Ancien Testament, un grand thème chez les prophètes. Le Nouveau Testament ajoute une précision capitale, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur annoncé sera le jour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Seigneur concerne ici Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, verset 2, verset 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Très bien, lorsque Jésus va retourner pour prendre l'Église. 2 Corinthiens 1, verset 14. 'Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Caractéristique de sa deuxième venue, un retour personnel. Nous jouissons dès maintenant de sa présence spirituelle. Nous qui sommes, n'est-ce pas, nous qui maintenant sommes chrétiens, nous jouissons dès maintenant de sa présence spirituelle. Il est avec nous.
Il est avec nous. D'après Matthieu 28, verset 20. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous jouirons de sa présence corporelle. Parousia. Un jour, nous verrons Jésus face à face. Ça, c'est notre grand but, notre grand objectif. Nous verrons Jésus un jour face à face. Regardons ensemble. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus-Christ, nous le verrons tel qu'il est. Les mots utilisés pour parler de son retour marquent avec force la manifestation visible de cet événement. Parousie, apparition, révélation, parousie, apparition, révélation, jour du Seigneur. Un retour personnel. Jean 14, verset 1 à 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Verset 16. Car le Seigneur viendra, le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il est mort en Christ ressuscitant premièrement. Lorsqu'il va venir pour prendre l'église, il va rester dans les airs. Nous allons, n'est-ce pas, transformer. Nous qui sommes vivants, nous allons être transformés. Nous allons recevoir un nouveau corps. Il est mort en Christ ressuscitant premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux, ce dernier, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Très bien. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Très bien. Un retour soudain et inattendu. 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, 52. Quand tu as 15, verset 52. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. En un clin d'œil. Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, vous qui écoutez maintenant la parole de Dieu, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le fils de l'homme qui est Jésus. Il va venir, il va retourner, il va venir à l'heure où vous n'y penserez pas. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Un retour visible. Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec le nœud, et tout œil le verra. De même, ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ce texte, un retour visible à cause de lui. Oui, amen. Ce texte, un retour visible lorsque Jésus va retourner avec l'église pour établir son royaume. Le retour de Jésus, la venue de Christ, la deuxième venue de Jésus a des phases. Il va retourner pour prendre l'église. Il va rester dans les airs. Ce retour est invisible. Ce retour est invisible pour les non-croyants. Après une période de 7 ans, il va retourner avec l'église sur la terre pour établir son royaume. Ce retour est visible, d'après Apocalypse 1, verset 7. Ok? Tout œil le verra. Voici, qu'il vient avec le nœud, tout œil, tout homme le verra. Ça, c'est sa seconde retour avec l'Église. Acte 1, verset 7. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Excuse-moi.
verset 11. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, que vous l'avez vu allant au ciel? Lorsqu'il est monté au ciel, après sa résurrection, viendrait de la même manière dont vous avez vu aller au ciel. Toujours le retour, un retour visible. Luc 17, verset 24. Luc 17, verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Deux Thessaloniciens 1, verset 7-8. Deux Thessaloniciens 1, verset 7-8. Et de vous donner à vous qui êtes affligés. Verset 7-8. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Lorsque Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, ce texte concerne son retour avec l'Église, lorsqu'il va retourner avec l'Église pour établir son royaume sur la terre. Verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, il va retourner pour établir son royaume sur terre, pas pour prendre l'Église. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous maintenant qui m'écoutez. Vous maintenant qui m'écoutez, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, maintenant acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Pour avoir du ciel au milieu d'une flamme de feu. Béni soit l'Éternel. Un retour glorieux et triomphant. Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Béni soit l'Éternel. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nids du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce texte concerne ici sa deuxième venue avec l'Église pour établir son royaume. Avec beaucoup de puissance et de gloire. Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Importance de la seconde venue de Christ. C'est un encouragement pour le chrétien. Vigilance et persévérance. Vous qui avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur personnel, sois vigilant. Persévérez. Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Yes, soyons sobres, soyons sobres. Soyons vigilants. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Hébreux 10, verset 35-39.
Hébreu 10, verset 35, 39. N'abandonnez pas donc votre assemblée, votre assurance. N'abandonnez pas donc votre assemblée, votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas, Jésus-Christ. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la conduite de quelqu'un. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher de lui. Ça, c'est l'importance, n'est-ce pas, de la seconde venue de Jésus. C'est l'espérance de l'Église. Romains 8, verset 23, 25. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes et en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Actes 26, verset 6, 8. Et maintenant, je me suis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. L'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. C'était la parole de l'apôtre Paul. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Waouh! L'important de la Bible, c'est 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Notre héritage n'est pas ici-bas. Un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Restez là pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé d'avoir dans les cieux. Persévérez dans la foi. N'abandonnez pas. Tite 2, verset 11 à 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. L'apôtre Paul dit, Maranatha. Maranatha, le Seigneur vient. L'apôtre Paul dit, Maranatha, le Seigneur vient. Jacques 5, verset 8, vous aussi, prenez patience, affermissez-vous vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Est proche. Lisons 2 Pierre 3, verset 8, 10.
2 Pierre 3, verset 8, 10. Mais, il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme... que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'étale pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Waouh! Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, fais ça maintenant. Fais ça maintenant. Et Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez vos cœurs. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande crainte. Et Jean 3, verset 2, 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. J'ai déjà lu ce verset. Et Jean 3, verset 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Sembler, n'est-ce pas? Semblable à Jésus est notre désir. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Waouh! Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur est pur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Vous qui avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, restez là, n'abandonnez pas. Sois personnel, restez là, n'abandonnez pas. Sois vigilant, tenez-vous prêt. Jésus va retourner pour prendre l'église un jour. Un jour, Jésus va retourner pour prendre l'église. C'est pourquoi vous devez être vigilant. Vous devez être sobre, soyez vigilant. Qui Dieu vous garde, qui Dieu vous protège. C'était votre serviteur qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Restez avec la paix de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la compassion de Dieu, avec la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur